Bonjour. Je me dépêche, je suis un peu en retard. Mes ongles ont vraiment pas tenu, ils ont tenu 8 jours au lieu de 3 semaines et j'ai pas le choix, faut que je les refasse. Donc je vous dis, j'ai un tournage, mais je pense que c'est d'avoir fait les box, ça a pas dû aider. Et je vais refaire, je pense, la même couleur. Je suis rentrée, j'ai pris des petits sandwichs, il est midi 55 et il faut que je vous montre le gros miroir que j'ai eu à but là, moins 50%, que je voulais bomber. Je me suis dit, ouais, si t'attends de le bomber, tu vas jamais le bomber. Et du coup, bah, il me l'a monté. Tiens, il me l'a monté et je vais vous montrer, il faudrait que je l'installe. Attends, facteur. Bonjour. Bonjour. Ah, hop là. Merci. Bonne journée. Vous aussi. Au revoir. Des choses à tester pour la box. Je suis là, bébé, hein. Ah oh, bah, ça va, toi. J'ai le dos tourné 2 minutes. Et il veut voler. Bravo. Je vous montre, hein, mais c'est toujours le même. Je trouve qu'il fait net. Et en plus, mes ongles ont vraiment bien poussé, donc c'est cool. C'est It's a Girl, si jamais ça vous dit de reproduire. Il faut que je vous montre aussi, j'ai plein de choses à vous montrer. Oui, je vous avais dit hier, j'ai fait du tri, du rangement. Il y avait ma maman, ma fille. Et je me suis pris un nouveau tapis. Alors, tapis que Jack fait, forcément, il fait ses griffes. C'était un tapis que j'avais avant, j'aurais coûté 15 euros. Mais vraiment, c'était un truc, je ne sais plus où j'avais trouvé ça. Et à but, j'en ai acheté un. Je vous le montrerai après, en même temps que le miroir, mais il est trop beau. J'ai pris 2 sandwichs aux graines. Celui-là, c'est poulet crudité, et celui-ci, c'est dinde, je crois, et mental. Et lui, bah, il est aux premières loges, évidemment. Bah oui, non, tapis, s'il te plaît. Bon, on a fini de manger, je vous montre le ravissant tapis. 68 euros à but, et je trouvais que ce coloris un petit peu bleu-gris, avec et ce pouf et le canapé, ça rendait super bien. C'est exactement le coloris qu'il fallait. J'aime beaucoup. Et là, vu qu'il fait super beau, le ciel est bleu mais magnifique, on s'est dit qu'il fallait bouger les 2 heures. Ça serait bête, franchement, de pas sortir. Je voulais faire un truc. Et ben, je vous montre le miroir, mais je l'installe pas là maintenant. J'installerai soit demain, soit ce soir. Je pense que ça rendra bien. Alors oui, on est d'accord, là, c'est pas blanc. Ça va peut-être contraster avec ce blanc-là, mais bon. Peut-être que plus tard, comme je dis, je m'en lasse. Je pourrais le repeindre. Une odeur particulière ici, non? On sent la nature. Ouais, on est où déjà? Langer. Ouais. Ça va, c'est minuscule. Et en fait, on s'est juste arrêté, je dis. C'est qu'ils ont une spécialité ici. Non. Les tables à langer, putain, non. Et ouais, non, mais les gens peuvent noter ce genre de blague. Ils peuvent mettre dans les commentaires. Ou pas. Et donc, en fait, on s'est arrêté. Il y avait 3 statues bleu, si de vaches. Je me suis dit, bah, regardez, elles sont belles. Bon, elles auraient pu être briquées un peu. Hein. Ah, bah si, ça doit être le fameux nuage qui les a salies. On a aussi celle-ci. Et nous avons celle-ci. Oh non, le camion, s'il te plaît. Power Flower. C'est joli, tu vois, c'est le truc sorti de nulle part. Il te va bien, bébé. Chicago. C'est froid, c'est de l'acier. Oui, c'est dur au toucher. Oui. C'est tout. D'accord. Ah, t'attendais à ce que je dise autre chose? Ouais. Moi aussi. C'est vrai. Je sais pas ce qu'on dit. Mais ça t'a pas un peu calmé, là? Cette balade en bagnole? Quoi? Ça m'a... Bon, enfin, on a fait 20 bornes, c'est pas... Non, on a roulé 1 heure. Oui, mais 20 km/h. Oui, c'est sûr, on a roulé pas du tout. Bonjour, le Carrefour Market. N'importe quoi. On peut pas sortir par là. Ah, d'accord. J'ai oublié de prendre mon sac, je vous ai vlogué et puis je me suis barrée comme ça, forcément. Ça va pas le faire du tout, ça. Si tu veux, moi je te conseille de prendre des desserts comme ça. Ouais, je suis pas fan de soja. Non, à base de soja, j'aime pas. Tu vois, tu fais comme tous les gens qui disent j'aime pas. Goûte. Mais j'ai goûté déjà. Ah, celui-ci, peut-être pas, non. Je veux quoi? Des pruneaux, des noisettes. Oh, ça a l'air bon, ça. Je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas repris depuis tout à l'heure. Même si on est rentré, il doit être pas loin de 19h. Et j'ai commencé à installer le miroir. C'est trop beau, je vais vous montrer. Et en plus, il faut que je vous dise quelque chose qui m'est arrivé quand on était à Tours. Qui est très, très, très chelou. Et qui m'a vraiment fait flipper. Et c'est possible que vous aussi, ça vous l'ait fait. Vous allez vite comprendre pourquoi. Il fait sombre. Vous vous souvenez comment c'était avant? Enfin, c'était blanc, tout petit. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand. Il était quand même à 50%. Donc, je l'ai eu à 50 euros. Non, 49, ouais. Ou... Enfin, vraiment, ça valait le coup. C'est pas grave, j'ai pas le pain. Mais peut-être que je prendrai les fameuses ventouses avec les petits spots. Tac, tac, tac. Pour faire un petit effet sympa. Je trouve que ça choque pas plus que ça, hein, finalement.
Le fait que ce soit blanc, bon, j'ai toujours mon truc plastique pour protéger. J'ai le miroir grossissant quand tu te maquilles. Avec la lumière extérieure, faut toujours se maquiller si on peut, bien sûr. Avec la vraie lumière. Alors, je suis essoufflée, mais il est beau. Hein. Vous pourrez me voir de plein pied et moi aussi. Hein, ce qui est plutôt très pratique. Et là, je vais prendre face pour vous expliquer une petite chose. Donc, quand on était à Tours, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Soit Tours, ça reste quand même une ville assez grande. Moi, je m'en suis pas trop rendu compte. C'est vrai que pendant, j'avais les yeux qui me picotaient. Alors, je pensais que c'était la fatigue. Ça faisait comme si j'avais du sable dans les yeux. Vous savez, le truc un peu poudreux, même sur les lèvres. Il y avait un truc, quoi, bizarre. Donc, on s'est couché. Et le dimanche matin, quand je me suis levée, je vais dans la salle de bain. Je vous jure, c'était impressionnant. Et je suis persuadée que je suis pas la seule. C'est pas possible parce que je pense que c'est lié à ça. Donc le fameux, la tempête de sable, le nuage de sable du Sahara rouge, là, qui a duré un peu moins d'une semaine, on va dire. À Tours, il y en avait. Hein. D'ailleurs, le sol était encore rouge. Et en fait, c'est là où tu te dis que ça craint. Parce que ça m'a provoqué, là, dans tout l'œil. J'ai flippé mon œil. Je saignais de l'œil. Mais je saignais, donc en fait, les petites particules, enfin c'est même pas des particules parce que du sable c'est gros, hein, et ben, ça a dû venir irriter, péter je sais pas quoi, des petites choses, ce qui fait que ben, je saignais. Donc quand j'ai dit ça à ma fille, disons qu'elle m'a pas trop cru. Jusqu'au moment où on s'est revu le lendemain, donc le lundi, quand elle est venue m'aider pour en bas, et elle me dit, tu sais, en fait, moi aussi, elle aussi, ça lui a fait en fait, mais lui, elle, ça lui l'a fait. Le lendemain, le surlendemain, elle s'est mise à saigner au même endroit que moi de l'œil. Donc si parmi vous, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse, tu te dis que tu l'as inhalé, c'est pas bon non plus, hein, même si je pense que au bout d'un moment, ça se régénère, tout ce qui est pulmonaire, mais très très bizarre. Donc ça m'intéresse énormément d'avoir vos retours. Et je peux vous dire qu'encore aujourd'hui, ça me... Il y a comme une gêne, je sens comme une gêne, comme voilà, quelque chose de poudreux, quand t'es très fatigué, t'as les yeux un peu lourds, et ben on est là-dessus. Super. Voilà, c'était les petites nouvelles, et j'ai pas eu le temps de vous le dire, parce que voilà, je sais pas, bon, c'est pas non plus un truc grave en soi, mais sur le coup, ça fait flipper. On a un très beau coucher de soleil, je vais essayer de vous montrer juste les toits. Et ouais, c'est à 19h17, au début, cet après-midi, on s'est dit, ah, parce que vous savez, parfois le mercredi, on va manger ensemble, brasserie, là, ce midi, on ne l'a pas fait. Mais comme Eric a cours demain, je crois qu'il a 8h30 de cours. 8h30. Et il commence à 8h. Figurez-vous, moi, j'ai déjà donné des cours de français. Une heure de cours, c'est pas une heure de bureau. J'ai travaillé également dans l'administratif. Surtout, ça dépend plus le public que t'as. Parce que t'es complètement concentré, il faut être toujours au taquet. C'est épuisant. Donc 8h30 de cours, c'est épuisant. Tout ça pour vous dire qu'on voulait sortir, mais vu que lui, il se lève à 6h du mat quand il commence à 8h. Je sais pas, je vais voir s'il est chaud. Je vais vous raconter ma vie. Il faut que je vous montre quand même un truc. Je suis pas certaine que pour vous ce soit flagrant, mais c'est magnifique. On est sur un petit dégradé de pêche très mignonnette. Je vais quand même aller lui demander, on sait jamais. Ça c'est le petit miroir, vous avez vu un petit peu la différence? Tu commences à 8h, tu m'as dit. Ça va. Allez, ok, bah génial. C'est cool. Let's go. Il y en a encore partout, là, par terre. Je suis en train de faire le tri. C'est sombre. Je suis en train de faire le tri et pourquoi ça zoome? Ah oui, je vous ai pas montré, j'ai remis mon siège. C'est Eric qui le prenait un moment. Et c'est bien pratique. Déjà, il est très beau, mais des fois, ma maman, elle vient soit pour m'aider pour les box ou papoter. Moi, pendant ce temps-là, je suis dans cette partie. Et voilà, pratique, nickel. Je suis prête, j'ai juste fait une petite natte. Et on est bon, un petit lips, et c'est parti. Ben voilà. Et finalement, je l'ai laissé là, parce que je trouve que ça rend super bien. Et surtout, dans l'entrée, ça se sent tellement beau. C'est très joli, hein. Nous sommes à la brasserie, le bistrot. J'ai un coup de pain. Bon, allez. J'ai déjà fait une fois de me prendre un Irish coffee. J'adore ça. C'est un digestif, ça. Ouais. Qu'est-ce que t'as dit? Le vrai Irish coffee, il vient d'Irlande, le gars. Donc, ah, bah il vient exprès pour. Ouais, mais ça lui fait beaucoup de kilomètres quand même pour un Irish coffee. J'avoue. Pic! Délicieux. Vodka, pêche et un. Ça plaît? C'est très bon, c'est très doux. Ah, bah tant mieux. Ah, oui, j'aime. Pour les cocktails, c'est bien agréable pour ça. Allez, c'est parti. Et dans l'omelette, il y a du fromage et des pequillos. C'est ça, hein, je crois. Voilà à quoi ressemble la fondue. Ah, ils ont mis une madeleine.
chamallow, des fruits, et puis bah, le chocolat. Effectivement, elle m'avait dit que c'était pas énorme. Toi, t'as pris quoi? Une crème. Ah, tu m'attends pas, en fait. Bravo. Bonjour, monsieur. Tu attendais ton père, ta mère? Eh bah, grosse régalade. C'était extrêmement bon. J'étais obligée de lui demander comment il est. La recette de l'omelette, comment il faisait pour qu'elle soit aussi bonne, oh, onctueuse et tout. Bah, je crois que c'est ça, c'est les piquillos avec le fromage. C'est délicieux. Et la fondue, juste ce qu'il faut aussi avec les fruits, c'était délicieux. T'as aimé, toi? La fondue, j'ai... Mais non, pas la fondue, t'as pas mangé de fondue. Mais c'était bon, hein? Délicieux. Ouais. Oh, écoutez, je crois que je vais continuer. Je suis sur une série suédoise sur Netflix. J'aime trop. Notre grande famille, ouais, ça va être ça le titre, c'est top, d'ailleurs 4 saisons, c'est très réaliste et à la fois, enfin, ça fait écho à plein de choses, ça joue bien, on s'attache au personnage, c'est top, je vous conseille, vraiment. Qu'est-ce qu'il y a bébé? Il est content de nous voir lui, parce que non non rassurez-vous, il a mangé, parfois je sais qu'il y en a qui me disent mais tu le nourris pas, je le nourris bien comme il faut seulement... Il a la fâcheuse tendance d'oublier que je l'ai nourri. Il me l'a fait un petit peu à l'envers. Hein, c'est vrai? Mais oui,